Good morning. Allez, Idan et Tussar aujourd'hui, le Nishmat David Ben Fortuna Mazal Fitna et Lucien Batraina. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, complétée avec 5 minutes éternelles, nous étudions le Sérat Nazir, Perek Aleph Mishnah Bet. Areini Nazir min Acharzanim, ou min Azagim, ou min Atiglachat, ou min Atuma, Areze Nazir, Vechol Digdukei Nezirut Alav, Areini Kishimshon, Keben Manoar, Kebal Delila, Kemi Shakar Daltot Azza, continue à découvrir les l'Hilchot de Nezirut, avec, on s'intéresse à savoir, comment est-ce qu'on devient Nazir, concrètement. On a expliqué qu'il faut exprimer que tu vas devenir Nazir. Ça, c'est la première Mishnah, on avait vu différentes formules par lesquelles tu deviens Nazir. C'est pas la peine de dire « je vais devenir un Nazir ». Tu peux même dire la moitié de ça, tu peux même dire des expressions qui sont des surnoms de la Nezirut, qui viennent des Goïm, qu'on avait dit « Nazik, Naziar, Faziar ». Ou encore, tu peux même prendre aussi des demi-termes, c'était les Yadot Nezirut. À présent, on va parler d'un cas original, de quelqu'un qui va devenir Nazir en exprimant, qui prend sur lui certains interdits du Nazir, sans préciser la suite. Ouais, je m'explique. Le Nazir, on a expliqué qu'il a trois choses, trois restrictions aujourd'hui, et à la fin de sa Nezirut, il devra apporter des corbanotes spéciaux avec un rituel particulier. Trois restrictions pour le moment dès qu'il devient Nazir. Ne pas utiliser de vin et de tous ses dérivés. Ne pas se laisser pousser les cheveux. Ne pas se couper les cheveux. Et ne pas s'impurifier pour les morts. C'est les trois pôles qu'il a le Nazir. Et on a maintenant, lorsqu'on parle de s'interdire le vin et ses dérivés, ça implique ne pas boire de vin. Ne pas boire de jus de raisin, ne pas manger de raisin, ne pas même manger les peaux du raisin. Ouais, Khartzanim et Hatzag, on les découvrira plus dans les détails plus tard. Tout ce que la Torah l'a explicité. Mais Khartzanim et Hatzag aussi, même les grains du raisin, les noyaux du raisin. On verra plus dans les détails, je ne veux pas l'engager parce que je ne suis plus exact. Mais en tout cas, il s'interdit toutes sortes de choses, plein de détails. Notre Mishnah, maintenant, elle va me dire, tu sais, s'il prend sur lui-même de s'interdire, il veut exprimer son éder de Nezirut, en s'interdisant de manger même les peaux des raisins. Je prends sur moi de ne plus manger les peaux des raisins. Mon intention est de devenir Nazir. Par le petit détail des l'chot de Nezirut, tu as réussi à manipuler toute la Nezirut à devenir un vrai Nazir total. Areini Nazir min acharzanim. Je prends Nazir min acharzanim, Le mot Nazir, il faut le définir un petit peu mieux. Nazir, ça peut être traduit du mot de Nézer, une couronne. Mais Nazir aussi, c'est quelqu'un qui est mitnazer, qui va s'éloigner du raisin. C'est ce qui se passe ici. Areini Nazir min acharzanim, je vais devenir Nazir pour ne plus utiliser les acharzanim. Les acharzanim qui sont c'est plus posé, bon, c'est moi qui vais le dire alors. Les acharzanim, c'est les petits grains de raisin qui sont acidulés. Ou minazagim, alors les agim, cette fois-ci, les agim, ce sont c'est plus précis non plus, c'est comment ça s'appelle, les peaux du raisin, d'accord. Ça ressemble à une cloche, un zoug. Ou minatiglachat, ou bien je prends sur moi de ne pas me couper les cheveux. Je vais Nazir pour ne pas me couper les cheveux. Ou encore, ou minatuma, je prends sur moi d'être Nazir, de ne plus m'impurifier pour les morts. Donc si vous faites attention, j'ai exprimé juste que je vais devenir Nazir sur une chose, et par là, je vais devenir Nazir de tout. Areize Nazir, devient Nazir sur tout. Et plus que ça, vechol dikdukei nezirut alav, il devient un Nazir total avec tout ce que ça implique, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas prendre, de consommer de raisin, et ne pas s'impurifier pour les morts. D'accord ? À la différence maintenant, je fais une petite pause pour vous introduire la suite de la Mishnah. Là, il va manquer une phrase, donc je vais tout de suite vous exprimer le principe. Après, on va voir ça dans les mots.
Il y a, à part ça, la Torah, la Mishnah nous a dit que tous les dikdukim nazirut alav, que je dois être un nazir avec tout ce que explicité dans la Torah, qui sont les trois pôles, comme ce qu'on a dit. Il faut savoir qu'il y a, à part le nazir, un nazir, de manière générale, lorsqu'il prend sur lui d'être nazir, ça implique, je veux dire, je vais devenir un nazir, je n'ai pas précisé une période, 30 jours. Je veux dire que je vais être nazir pendant 6 mois, je fais ce que je veux. Je peux, plus que 30 jours, je peux faire ce que je veux. Maintenant, malgré tout, il y a quelqu'un qui va prendre sur lui d'être un nazir olam. Pour toute sa vie, il va devenir un nazir. Ou il y a encore quelqu'un qui va prendre sur lui de devenir un nazir que Shimshon. Vous savez Shimshon, vous connaissez l'histoire de Samson. Shimshon, il a pris sur lui, depuis sa naissance, c'est ses parents qui ont dû, le malheur qui s'est dévoilé à sa mère, et il a pris sur lui de rendre son fils nazir, Shimshon. Et ce sont des cas particuliers de la Nézirut que, selon le cas, si c'est un nazir Olam ou si c'est un nazir Shimshon, nazir Olam, il a le droit de se couper les cheveux de temps en temps, tous les ans plus précisément, comme on va le voir ensuite. Et nazir Shimshon, pire que ça, lui, il n'a pas le droit de se toucher les cheveux. Mais la différence, il a le droit de s'impurifier pour les morts. C'est comme si que la Torah elle a dit, écoute-moi, dans le nazir, en fait, il y a le titre général, c'est nazir, avec la lachot bien précise pour le nazir classique. Mais à part le nazir classique, il y a le nazir Olam, qui a un statut un peu différent. Lui, il ne pourra pas s'impurifier pour les morts du tout, mais il aura le droit de temps en temps de faire une pause dans sa Nézirut, c'est-à-dire quoi faire une pause dans sa Nézirut, se couper les cheveux, aller au Beth Amikdash pour se couper les cheveux, faire le rituel, apporter les trois béhémotes, et reprendre de nouveau un nouveau cycle. En fait, quand il devient Nazir Olam, il prend sur lui d'être Nazir toute sa vie, que tous les ans, il renouvelle sa Nézirut, en fait. Il n'a jamais le droit de s'impurifier, parce qu'il ne s'arrête jamais d'être un Nazir. Et il n'aura jamais le droit de boire du vin non plus, parce qu'il ne s'arrête jamais d'être Nazir. Mais il devra se couper les cheveux une fois tous les ans, parce que arrive la date de sa Kabbalat Nézirut, il doit aller au Beth Amikdash pour apporter une série de copanotes, se couper les cheveux, et reprendre ensuite sa Nézirut. Ça c'est le Nazir Olam. Et la différence de quelqu'un qui prend sur lui, si je prends sur moi d'être Nazir pendant 5 ans, pendant 5 ans je ne touche pas mes cheveux, pendant 5 ans je ne vais pas au Beth Amikdash du tout. Je pourrais aller au Beth Amikdash, mais je ne vais pas au Beth Amikdash apporter mes copanotes et me couper les cheveux. Si j'ai pris sur moi d'être Nazir Olam, alors là il y a ce rituel particulier de tous les ans. Et le Nazir Shimshon, c'est celui qui prend sur lui d'être le Nazir comme la Nazir de Shimshon. Alors là, c'est très particulier. Il devra jamais se couper les cheveux, jamais boire du vin. Par contre, il aura le droit de s'impurifier pour les morts tout le temps. Et donc, même s'il va s'impurifier pour les morts, il devra jamais, il n'aura pas besoin d'apporter les corbanotes non plus. Parce qu'elle n'a pas, la Nazir de Shimshon, se sanctifier en devenant, en prenant sur soi une Nazir de Shimshon, n'implique pas de ne pas s'impurifier pour les morts. C'est clair le principe. Maintenant on fait ça dans les mots. La Mishnah va décomposer en deux parties. Elle va d'abord m'introduire la Nézirut Shimshon, puisque je t'ai dit au début de celui qui prend la Nézirut sur un détail, ça implique toutes les lois de la Nézirut et tous les dikduké Nézirut alav. J'ai précisé tous les détails de la Nézirut s'appliquent sur lui. C'est à la différence du cas de Nazir Shimshon ou Nazir Olam qui n'ont pas tous les dikduké Nézirut alav. En l'occurrence, la Mishnah va d'abord commencer à m'expliquer c'est comment est-ce qu'on devient un Nazir Shimshon, quelle expression faut-il dire, et après, deuxième partie, on va expliquer la différence entre Nazir Shimshon et Nazir Olam. Donc on a dit, première partie, Areni ke Shimshon. C'est-à-dire, je vais être comme Shimshon, qui est Ben Manoar, comme les fils de Manoar, parce que le père de Manoar, dans l'Aftara, là-bas, dans l'Aftara qu'on lit avec au début de Shoftim, quoi, de Manoar, alors là-bas, il y a Shimshon, et son père il s'appelait Manoar. Ou bien encore Kebal Delila, le mari de Delila, vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila, ils ont fait un film. Delila, c'était la première femme de Shimshon. La première femme de Shimshon, ouais. Et non, la deuxième, je crois. Et ensuite, Kemisha Akar Daltot Azar, bien je vais être comme celui qui a arraché les portes de la ville de Aza, de Gaza. Ouais, pour ceux qui connaissent l'histoire, il a dû lutter contre se battre plusieurs fois contre les Plishtim. Il y a un moment, il a déraciné les portes de Hazar, il est parti massacrer comme ça tous les Plishtim en les frappant l'arc de triomphe, comme ça, le gros char de la ville. Il a pris, il s'est mis à frapper tout le monde avec. Et Kemi Shakar Daltot Hazar, ou encore Kemi Jinikro Plishtim et Tenav, comme celui à qui on a crevé les yeux, comme les Plishtim lui ont crevé les yeux, comme vous connaissez bien l'histoire, à la fin de Shimshon. L'histoire triste, c'est qu'en fait, il a dévoilé le secret à sa femme, à Delila, et comment d'où venait sa force, c'est les Plishtim, du coup, elle lui a coupé les cheveux, et puis ensuite, ils l'ont pris, on l'a crevé les yeux,
Et après, jusqu'à qu'après, il a demandé vengeance à Hachem. Hachem l'a écouté, il a, comme ça, il a tué des. Il a fait tomber tout un. Comment dire, toute une arène de Plishtim, il les a tous tués. En tout cas, dans toutes ces expressions, il a dit, si vous faites attention, c'est des kinouim. Il a dit, soit je vais être comme Shimshon, soit comme le fils de Manoir, soit comme le mari de Delilah, soit comme celui qui a déraciné les portes de Gaza, ou soit il a dit comme Shkemishin et Kropelishim et Tenav, celui à qui ils ont, les Plishtim l'ont crevé les yeux. Dans toutes ces expressions, eh bien, Arezen Azir Shimshon, il a pris sur lui de prendre une Nezirut Shimshon, de devenir, de prendre sur lui, d'être la Nezirut de Shimshon. Et la Gemara, elle explique, Nezirut Shimshon, à ne pas confondre avec Nezirut Olam. Il manque une petite phrase. Que Nezir Olam, c'est autre chose. Ou ma ben Nezir Olam, le Nezir Shimshon. Quelle est la différence entre le Nezir Olam, celui qui prend sur lui d'être Nazir toute sa vie, ou celui de, qui prend sur lui d'être Nazir comme Shimshon? Une différence, et des différences fondamentales. Nezir Olam, celui qui prend sur lui d'être Nazir pour toujours, pour toute sa vie, dans ce cas-là, Hichbid Searo, si son cheveu, ses cheveux sont devenus trop lourds, c'est-à-dire tous les ans, mais quel bâtard, il pourra aller. Alléger avec un tar, avec une lame. Attention, à la différence avec un nazir classique. Lorsqu'il y a un nazir classique finit sa nazirut, il va, il prend une lame, il se rase en zéro, toute sa tête, et à différence, ouais, même si en théorie il y a un interdit de Baal Takifu de ne pas passer la lame sur les, la lame ou même le ciseau, même de faire au niveau zéro autour des péotes, là, pour le nazir, il a le droit de le faire. Le nazir olam, il est juste mekel batar. Il va alléger dans son tar, il va passer un petit peu le rasoir pour alléger l'épaisseur de ses cheveux sans se raser complètement. Et en plus, ce jour-là où il fera ça, au Beit HaMikdash, c'est tous les ans donc. Comme ce qu'on a dit, il y a trois dans la Gemara, mais le Bartanora, il rapporte ici tous les ans. Ichbit saharo, dès que son sar va devenir trop lourd, mekel batar, il allège sa chevelure avec la lame. Umevi Shalosh Behemoth, il apporte trois korbanot pour devenir un korban qui sont Khatat, Ola et Shlamim. Trois korbanot, comme tout nazir qui finit sa nezirut, même s'il ne finit pas sa nezirut, mais il doit tous les ans faire une petite pause. C'est pas une vraie pause où il ne va pas devenir maintenant, il ne va pas arrêter d'être nazir, mais il va lancer un nouveau cycle. Et donc dans ce cas, il doit apporter les trois behemoth qui sont Khatat, Ola et Shlamim. Et avec le Shlamim, Shalmé Nazir, si vous avez déjà entendu parler, on verra plus dans les détails. Shalmé Nazir, c'est là où il devra couper le cheveu et le mettre là-bas sous le feu qui fait brûler le korban shlamim, et aussi veim nitma mevi korban tuma, et lorsqu'il va devenir impur, il devra nécessairement faire le rituel du nazir qui devient tamé. Ça c'est pour le nazir olam, à la différence du nazir shimshon. Le nazir qui est comme shimshon, celui qui a pris la nazirut de shimshon, dans ce cas là ichbit se'aro en omekel, même si ses cheveux ils deviennent trop lourds là, il n'a pas le droit de toucher à ses cheveux. Veim nitma, et s'il est devenu impur en mevi korban tuma, il n'aura pas besoin d'apporter un korban tuma, même mieux que ça le partenariat nous précise, il aura même le droit de s'impurifier a priori pour les morts. La Gemara essaie de prouver ça de Shimshon. Shimshon, il a tué des tas de goyim. Et les goyim, ils rendent impurs, même, ils rendent impurs lorsqu'on les touche. À la différence du juif, qui devient impur lorsqu'on touche ou même lorsqu'on passe au-dessus. Le goy n'a pas d'atomat oel. Mais en tout cas, lorsqu'on touche le goy mort, on devient aussi impur comme le juif. Mais la Gemara dit que finalement, il n'y a pas de preuve de Shimshon, parce que peut-être qu'il ne tuait pas les gens jusqu'au bout, qu'il arrêtait de toucher avant qu'il devienne impur. Mais concrètement, la Lachal est retenue que celui qui prend sur lui une nézéro de Shimshon, il a le droit de s'impurifier pour les morts. Et il est juste contraint, astreint aux deux points, tous, ne pas boire le vin. Et aussi, lui, le Nazir Shimshon, il n'aura pas le droit de se toucher aux cheveux du tout. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.